pourquoi un médecin qui a fait le serment d'Hippocrate pour sauver des vies se taise devant le chaos que nous sommes en train d'assister au Congo? Mais parce que vous avez certains nombreux qui ont choisi de mourir couchés. Au niveau de la santé, vous verrez que la hiérarchie, du moins ceux qui doivent administrer, prendre un certain nombre de décisions, ben, généralement, certains même n'ont pas toujours les qualifications requises. Donc dans ce chaos général, vous avez un certain nombre de professionnels de santé qui en tirent profit. Parce que, écoutez, lorsque l'hôpital ne fonctionne pas convenablement, tous, ils ont des cabinets privés et donc ils privilégient le fonctionnement de ces cabinets privés. La consultation d'un spécialiste au Congo coûte beaucoup plus cher que par exemple ici en France, voyez-vous. Alors que les prestations que cette personne va avoir au niveau de cet établissement ne correspondent même pas aux prestations qu'il va recevoir ici en France. Avouez qu'il n'y a pas de cadre congolais capable d'administrer cet hôpital, puisque tous ceux qui sont passés ont fini, en fait, je dirais, par présenter un bilan calamiteux. Ça ne me pose aucun problème. Vous savez, moi, j'ai exercé pendant longtemps en Suisse, et en Suisse, il n'est pas rare de voir que tel établissement est dirigé. Moi-même, j'ai dirigé un laboratoire de production de médicaments. J'étais pas suisse. Le combat central, c'est lutter contre un système que Sassou Nguesso a généré, qui a conduit dans cette situation que nous connaissons. Mais c'est aussi un combat individuel, un ressaisissement, une prise de conscience que nous devons nous tous avoir. Ça ne doit pas être une question que de Michel Ondongo Pondi ou de quelques activistes qui se battent, qui dénoncent cet état de fait. Mais ça doit être une question qui nous concerne vraiment tous. On est dans un système où l'université n'est université que par le nom. Et puis par des gens qui s'appellent pompeusement professeur, dont nombreux ne sont connus qu'à l'échelle du Congo. La situation politique est bloquée. Le général Mokoko est en prison. Je vous indiquerai un certain nombre d'initiatives qui sont les nôtres, que nous sommes en train de préparer avec d'autres amis, soutien de Mokoko, dans les prochains jours. Donc, la situation politique est bloquée. Je pense que ce soit au niveau de Congo pluriel ou du général Mokoko, il n'y a qu'une seule solution, c'est un dialogue. Vous prenez aussi avec vous un peu la démarche de Moulay Boukadia, qui demande une conférence internationale pour le Congo. Bon, la démarche de Boukadia est différente, parce que Boukadia, voilà quelqu'un qui est emprisonné par Sassou, qui sort de prison, qui ne vient même pas remercier ceux qui se sont battus, qui ont plaidé sa cause à l'étranger, et qui vient, il a obtenu un accord pour organiser un dialogue conférence internationale. Tout cela était du pipeau, ça n'a rien donné, ça n'aboutit à rien du tout parce que c'était un gros mensonge. Et si demain ça se dit, ok les gars, venez, quelles seront les trois principales questions? Je crois que la première principale question, c'est la gouvernance. Parce que si vous voulez, si le Congo est aujourd'hui dans l'état qu'il est, c'est une question de gouvernance. Je suis un peu surpris que vous n'ayez pas mis en première préoccupation le départ de Denis Sassou Nguesso. Écoutez, je pense que tel que nous avons évoqué d'un dialogue inclusif, Sassou Nguesso Denis y sera.